Le terme « se faire un wash de médicaments opioïdes » fait référence à l'injection de résidus de médicaments opioïdes qui peuvent se retrouver dans le matériel d'injection, notamment le contenant et le fil de coton. Étant donné que la majorité des médicaments opioïdes qui sont injectés à Montréal sont destinés à un usage pérusse, ils contiennent plusieurs excipients qui servent à donner de la consistance et de la couleur aux médicaments. Ce sont justement ces excipients qui rendent la dissolution de ces médicaments-là difficile. Et ça requiert beaucoup plus d'eau. Quand on la compare à l'héroïne et à la cocaïne en poudre qui sont disponibles à Montréal, la dissolution de ces substances-là produisent beaucoup plus de résidus qui se logent sur les parois du contenant et du filtre. Ce sont justement ces contenants-là et ces filtres-là qui sont gardés par certains usagers pour une consommation ultérieure, ou avec de l'eau, ils vont rincer le matériel usagé afin de récupérer la substance active qui peut y rester. L'injection de résidus de médicaments opioïdes peut causer des complications médicales. Premièrement, la réutilisation de matériel usagé peut causer des infections bactériennes ou fongiques. Aussi, il serait intéressant de mentionner que durant nos travaux ethnographiques, on a observé que certaines doses de médicaments opioïdes, notamment les capsules d'hydromorphone, peuvent produire une quantité de solution qui va dépasser largement le volume de la seringue le plus communément utilisé par les personnes qui s'injectent des drogues à Montréal, ce qui va les obliger à s'injecter plus d'une fois lors de la même épisode d'injection. Aussi, on a observé que les wash sont considérés comme des biens qui peuvent être échangés ou offerts entre les usagers. C'est justement quand ces wash sont échangés ou offerts entre usagers qu'il y a un risque de transmission de VIH ou d'hépatite C. Justement, à cause des multiples injections, le filtre et le contenant peuvent avoir été souillés par du sang. En raison de ces pratiques à risque-là, on a cru bon de mieux caractériser les personnes qui s'injectent des résidus de médicaments opioïdes. Tout d'abord, il faut savoir que l'étude COSMO a été réalisée auprès de 605 usagers de cocaïne. Les personnes étaient éligibles si elles avaient consommé de la cocaïne soit par inhalation ou par injection dans le mois précédant leur recrutement. Les participants ont été majoritairement recrutés dans les organismes communautaires du centre-ville de Montréal. La majorité des participants étaient des hommes et étaient âgés de plus de 24 ans. Les personnes ont été rencontrées aux 3 mois pendant une période d'environ 1 an et demi. Pour la présente analyse, un sous-échantillon de 122 participants qui sont injectés des médicaments opioïdes au cours du dernier mois ont été sélectionnés. La majorité d'entre eux étaient des hommes nés au Canada et la moyenne d'âge était de 37 ans. Un fort pourcentage ont une source de revenus instable et au moins une période de sans-abrisme au cours des 3 derniers mois. Les médicaments opioïdes et l'héroïne sont le drogue de choix d'un peu plus de la moitié de notre échantillon, suivi de la cocaïne crack freebase. Les médicaments opioïdes les plus souvent injectés sont le dilodide et l'hydromorphocontin. Un grand nombre de notre échantillon s'injecte plus d'une fois par semaine et plus du tiers de notre échantillon s'injecte 4 fois ou plus par jour. Les résultats de l'étude ont démontré que l'injection de résidus de médicaments opioïdes était assez fréquente, puisqu'il y avait 42% d'entre eux qui l'ont fait au cours du dernier mois. Selon certains indicateurs, les personnes qui s'adonnent à la pratique de l'injection de résidus de médicaments opioïdes sont plus vulnérables au plan psychosocial. Par exemple, l'injection d'ouache était plus fréquente chez les personnes ayant une source de revenus instable, comme le vol, la quête, la vente de drogue, etc., et chez les personnes qui souffrent de détresse psychologique. Aussi, la pratique de l'injection de résidus de médicaments opioïdes était plus fréquente chez les personnes ayant fait une surdose récente. Finalement, il n'est pas surprenant de constater que les chances de rapporter l'injection de résidus de médicaments opioïdes étaient plus fréquentes chez les personnes qui font un usage prépondérant d'opiacés. À
la lumière de nos résultats, il semble impératif de mettre sur pied des interventions qui réduiraient l'injection de résidus de médicaments opiacés et les risques et les vulnérabilités qui sont associés. Tout d'abord, comme l'héroïne et les médicaments opiacés sont les drogues de choix de la majorité de notre échantillon, il est essentiel de faciliter et maximiser l'accès au traitement de substitution aux opiacés. En complément au traitement de substitution aux opiacés, des interventions qui viseraient à réduire la détresse psychologique devraient être mises sur pied, étant donné que cette détresse est plus fréquente chez les personnes qui s'injectent des résidus de médicaments opiacés. Finalement, un groupe de travail coordonné par l'INSPQ a mené une étude qui a permis d'identifier du nouveau matériel et des étapes de préparation qui aideraient à réduire les risques infectieux, bactériens et fongiques associés à l'injection de médicaments opioïdes. L'acceptabilité de ces recommandations-là ont ensuite été évaluées chez certains usagers. Les résultats positifs de cette consultation devraient maintenant conduire les autorités de santé publique à rendre le nouveau matériel disponible dans les meilleurs délais. Thank you.